But I know the one. Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, c'est ça. On est donc lundi 5 novembre. Je reprends le chemin d'atelier après une petite semaine de pause. Donc comme je vous l'ai dit dans le vlog d'avant, juste avant. On a passé quelques jours à Paris et puis après quelques jours chez mes parents. J'ai bossé un petit peu chez mes parents. Ce que j'ai pu, j'ai un petit peu avancé. Là, il faut que je continue à bien avancer parce que le programme que je vous ai annoncé, j'ai du stock. Et j'ai encore eu de nouvelles commandes pour de nouveaux projets, donc il faut que j'active un petit peu la cadence. Voilà, donc je vais vous montrer, j'ai un petit colis à faire, je vais vous montrer ce que je vais envoyer. Et puis, c'est parti pour une nouvelle semaine et là, ça y est, le compte à rebours, le gros marathon commence.
C'est un peu triste de voir l'atelier comme ça, je trouve. C'est très fantomatique comme truc. Bon, ça va pas durer. C'est quasiment tout propre ici. Il n'y a plus qu'à peindre. Donc bientôt, cette page va partir. Alors d'abord, j'ai cette peinture-là à envoyer. J'avais dû vous montrer le principe. Voilà, vous voyez, hop. C'est avec du double vert. C'est un cadre double vert. Hop. Quand on ouvre. Donc, moi, j'ai tout fixé pour que rien ne bouge si jamais ça s'ouvre par accident. Donc comme ça, on est sûr. Donc ça se ferme, paf, ça se bloque et ça se pose ensuite contre un mur ou contre une étagère ou contre ce qu'on veut bien. Avec ça, j'ai un carnet, une petite dizaine de cartes postales et puis un collier. J'attends que le médaillon sèche parce que je dois le vernir plusieurs fois. J'attends qu'il sèche pour le monter sur la chaîne que j'ai préparée avec les perles. Et puis ensuite, je fais le colis. Et tout ça partira aujourd'hui. Avec une autre petite commande d'une seule petite carte postale. Une mini commandounette. Donc voilà, c'est parti comme un lundi. Sauf que ma journée, je l'ai commencée à 5h du mat. Je suis réveillée depuis 3h30. Et j'ai pas réussi à me rendormir. Donc à 5h, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Va bosser, tu gagneras ça sur ta journée. Et puis tu feras une sieste de 2h cet après-midi. Et c'est pas plus mal. Du coup, bah là il est 9h et j'ai déjà pas fait ma journée, mais enfin j'en ai fait une bonne moitié quoi. Je voulais aussi vous parler de ça. Rien à voir avec la choucroute. Donc ça c'est pas moi qui le fais. Ça c'est Mini Cancrela qui le fait. Je vous mettrai un lien en dessous. Et Mini Cancrela, je voulais l'avoir pour ma vente. Je voulais absolument qu'elle fasse la vente dans 15 jours avec moi. Malheureusement, elle pouvait pas. Pour une question de gestion de stock, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, bah on le fera une autre fois, si tu me regardes. Voilà, je voulais vous montrer ça, parce que c'est trop beau, c'est trop chouette. Et puis, moi quand j'ai vu, bah, j'ai craqué tout de suite. Donc je vais acheter ça et puis un nœud pour mettre dans les cheveux. Oh pardon, c'était mon épaule. Bon bah j'attends que mon médaillon sèche. J'espère que ça va aller assez vite. Et puis je monte le collier et je fais le collier dans la foulée. Je suis le colis dans la foulée. Oh, et je fais le colis dans la foulée.
pas pu te filmer toute la réalisation parce que j'avais plus de batterie dans mon... parce que j'avais plus de batterie dans mon appareil photo. Alors je te les montre, là je viens de les vernir, il pleut dehors. Mais sur mon petit bout de fenêtre, les gouttes n'arrivent pas. Donc j'ai verni, j'attends que ça sèche un peu et puis je les rentre. Histoire de ne pas les oublier pour la nuit quand même. J'ai bien travaillé sur mes broches aussi ces derniers jours. Alors il y en a des nouvelles que j'avais jamais faites. Bon, il y a toujours mes renards, comme d'habitude, bateaux, nuages, etc. Montagne. Et ce qu'il y a de nouveau, par exemple, c'est cette petite maison. J'en ferai d'autres parce que j'aime bien. Cette petite baleine qui est inspirée de la baleine que j'ai faite sur mes cartes étapes pour les bébés. Et de nouveau aussi ce motif là que je faisais avant, enfin, que j'ai fait une ou deux fois comme ça, et là j'ai voulu faire plus simple, ça aussi c'est nouveau, et c'est tout je crois bien. Oui, les poupées russes, j'en avais déjà fait quelques-unes. Donc je vais en faire d'autres, histoire de décliner un peu plus les poupées russes, les baleines, les maisons. Et les chats aussi. Ça, j'en ai que trois. Alors j'ai mis en vente mes Inktober dans la journée. Et j'en ai quatre qui sont adoptés déjà. C'est mes quatre préférés. Les gens ont du goût. Hop, voilà. Ces quatre-là sont déjà vendus. Mais il en reste 27 autres. Si vous voulez vous faire plaisir, je les vends à 15 euros. Donc, ce qui est un tout petit prix. 15 euros, ils sont tous. Je les ai tous mis dans ma boutique Etsy. Comme d'hab, le lien en dessous. Et faites-vous plaisir, hein, c'est Noël. Offrez des cadeaux. Offrez des cadeaux faits main, surtout. J'ai aussi récupéré dans mes points de vente plusieurs badges et des miroirs. Et pareil, j'ai remis à jour dans ma boutique les quantités, etc. J'ai récupéré aussi deux peintures sur bois. Il y avait plein de dorés. Donc c'est cool en fait. J'ai demandé à ce qu'elle me renvoie le stock maintenant, histoire d'avoir un tout petit peu moins de panique pour mon stock à fournir ces jours-ci. Donc c'est bien, là ça me soulage un petit peu. Bon, j'en fasse encore, hein, mais déjà ça me soulage un peu. Je vais aussi faire d'autres colliers dans ce genre-là. Et puis bien d'autres choses. Elle m'a aussi renvoyé une ou deux coupelles. Donc voilà, j'ai un peu mon stock qui s'est... voilà, je respire un petit peu, disons. Salut, on est jeudi 8 novembre. Je me mets enfin à travailler. J'ai travaillé une petite heure, même pas une demi-heure ce matin. Et j'avais un rendez-vous après à Bordeaux, donc j'ai pas pu travailler longtemps. Pardon, il y a la musique derrière. On l'entend plus lui que moi. Donc voilà, j'ai pas travaillé beaucoup. Donc là, il doit être 13h30, 14h, un truc comme ça. Donc j'ai 3 heures devant moi pour travailler, c'est juste. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours. Je suis contente de ce que j'ai fait, ça me plaît bien. Et donc c'est quelques petites peintures style princesse, vous savez, avec les robes et de la forêt, enfin des choses qui se passent dans les robes. Donc j'en ai fait quelques-unes et je suis en train de décliner tout ça en bijoux. J'en ai déjà décliné une en carnet. C'est un peu le bazar ici parce que j'ai des commandes au passage, donc faut que je mette tout de côté au fur et à mesure. Donc voilà. Ça, c'est en boutique. Alors voilà les médaillons, donc ça ce sera une broche, voilà pour l'instant je suis en train de faire les médaillons, et puis ensuite on attaquera la partie montage des colliers avec tout le reste du bazar. Allez, j'y vais. Bonjour, comment vas-tu? On est vendredi 9 novembre. Et j'ai vachement bien travaillé ce matin.
J'ai reçu la visite d'un monsieur, d'un petit monsieur, qui... Enfin, il ne va pas aimer que je dise petit monsieur d'un monsieur, quoi. De taille tout à fait normale. Donc un monsieur qui a lancé une box 100% bordelaise. Ça s'appelle Bordeaux Box. Et pour leur prochaine box, pardon, c'est une box de créateurs et il a fait appel donc à plusieurs créateurs, dont moi. Et moi, mon travail, c'était de leur fournir une cinquantaine de carnets. Donc là, j'en ai fourni pour l'instant une dizaine, parce que 50 d'un coup, c'était un petit peu compliqué pour moi niveau planning, je pouvais pas caser ça. Donc c'est pas grave, on s'est mis d'accord pour que je leur fournisse voilà, par vague de 10-20. Donc il est venu ce matin, se rencontrer ce matin, et puis il y a d'autres projets qui vont se mettre en route avec ce petit monsieur. Et voilà, donc ça dure une petite demi-heure. À 9h30 il est parti, et depuis 9h30 je peins. Et j'ai fait deux petites peintures, et puis je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours, parce que finalement j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai pas forcément tout mis bien sur les réseaux sociaux, j'ai mis des photos comme ça, mais prises un peu vite fait, donc on voit peut-être pas très bien. Je me suis acheté une perche il y a des mois pour fixer ce téléphone là, pour pas fatiguer du bras, et en fait je m'en sers jamais. Donc là j'ai le bras en l'air et j'ai un peu mal, je fatigue vite. Mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, et aussi j'ai récupéré un petit stock d'une boutique avec lequel le contrat s'est terminé. On avait un contrat de 3-4 mois, donc les 3-4 mois sont passés. Même on avait prolongé pendant l'été, je crois. Et là, en octobre, on a décidé qu'on arrêtait, donc elle m'a renvoyé ce qui lui restait. Il en restait quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça aussi. Et donc tout ça ira en boutique quand j'aurai le temps. Voilà, j'ai fait une grosse vague de broches aussi, j'en ai mis quelques-unes en boutique mais pas tout. Les petites peintures, je les ai pas mises, j'ai pas eu le temps. Et puis aussi, c'est que je veux me les garder pour ma vente qui a lieu les 17 et 18 novembre. Je vais essayer de mettre ce vlog avant en ligne parce que sinon ça va trop traîner. Je vais essayer de faire le montage ce week-end, ça serait bien. Donc ce week-end, le week-end du 16, voilà. Donc le week-end du... on est quoi? On est le 9, donc le 10-11. Je vais essayer de faire un montage pour que vous l'ayez ce week-end, ce serait cool. Ce sera peut-être pas un vlog très long, je sais pas trop ce que j'ai filmé, je me rends pas compte de ce que j'ai filmé. Je sais plus, je me rappelle plus, je suis dans le speed, je suis dans le jus, là je sais plus. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Parce que j'ai juste terminé à l'instant une petite Frida dans un cadre transparent comme j'aime bien. Ça c'est pas très grand, hein. ça fait je crois que le cadre fait 15-15. Ça c'est une peinture que j'ai récupérée donc de la boutique dont je vous parlais. C'est une peinture sur bois flotté comme d'hab, que j'ai récupéré quand je suis allée à la pêche au bois flotté. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait ces deux petites bonnes femmes là. En fait j'en avais fait une, je crois, qui a beaucoup plu à la galerie Carré d'Artistes et qui avait beaucoup plu quand je l'avais mise en ligne. Et j'avais jamais pris le temps d'en faire d'autres, c'était un projet dans ma tête, je crois même que je vous en avais parlé. Et bah voilà, ça y est, je suis partie, là je me fais mes petits formats à moi, donc ça fait 15-15, et c'est rigolo, c'est ni toile ni carton toilé, c'est un peu molletonné, ça fait un peu oreiller, c'est rigolo, je vais vous montrer ça, attendez si je la pose à plat, vous voyez on appuie, c'est ouais ça fait comme un oreiller quoi, je trouve ça vachement bien comme support, je connaissais pas. Alors peut-être que ça existe depuis longtemps en magasin de beaux-arts, mais je connaissais pas. J'ai fait celle-ci aussi. Voilà.
En papeterie, je vous avais montré mes nouvelles cartes, il me semble. Enfin, ou pas, enfin, je sais plus. En tout cas, si je vous les ai pas montrées, tout est dans ma boutique, vous pouvez aller voir. Là, j'ai tout mis en ligne, par contre. Hop, si on traverse et qu'on va voir de l'autre côté ce qui s'y passe, j'ai récupéré deux coupelles aussi, qui sont un nuage et puis la lune, j'ai récupéré. Là, il y a tous mes Inktober qui me restent, j'en ai déjà vendu 5 ou 6, je crois. Donc pareil, ça c'est en boutique. Les broches, bah là, il y a une grosse partie de ce que j'ai produit ces derniers temps, mais j'ai pas tout, j'en ai 7 ou 8, je crois, que j'ai prêté à Fleur de Laine qui fait sa vente. Vous savez, Fleur de Laine qui fait sa vente privée avec moi deux fois par an d'habitude. Cette fois-ci, elle le fait toute seule et elle, c'est ce week-end. Elle commence aujourd'hui et elle continue samedi, dimanche. Et elle m'a gentiment proposé de mettre quelques créations chez elle pour essayer, pour que les gens les achètent, quoi, tout bêtement. Et aussi, histoire de donner un avant-goût de ce qu'il y aura chez moi, histoire de leur donner envie de venir le week-end suivant chez moi. Donc voilà, donc là-bas, je dois avoir des renards, des nuages, enfin des formes assez classiques, je pense. J'ai pas de nous. Enfin si, c'est des nouveautés, mais c'est des formes que je faisais déjà. Ensuite, on enchaîne, j'ai fait celle-ci, dans un cadre rond, mais qui n'a pas de vitre. Et ça j'aime bien, parce que comme ça on voit bien le doré, les collages, et j'aime bien qu'il n'y ait pas de vitre, ça me plaît bien. Hop, c'est un cadre à poser. Ensuite, j'ai fait, alors, ensuite j'ai fait ça, attendez que je vous montre contre le mur, on comprendra mieux, il y a la chaîne qui est entortillée, ah. Donc voilà, elle s'appelle Blue Moon, celle-ci, voilà, je vais la poser ici, sans la casser, j'ai fait celle-ci, je vous montre aussi contre le mur pour qu'on voit mieux. Toujours autour de la lune. Hein. Voilà. Et j'ai fait aussi plein de petites illustrations. Vous savez, les petites illustrations plus simples comme ça et plus petites. Voilà, donc à plus petit prix que les peintures que je fais habituellement. Donc ça, j'en ai fait pas mal, parce que j'ai une boutique qui m'en a commandé, mais je lui enverrai après ma vente, selon ce qui me reste, j'en referai ou pas. Et pareil, là j'en ai, je crois que j'en ai donné 3 ou 4 à Laetitia, à Fleur de Laine, pour ce week-end. Donc pareil, ça, j'ai pas eu le temps de le mettre en boutique, ça va venir, ça va arriver, ça, voilà, je vais... Ce week-end, je m'occupe de monter le vlog et de mettre en boutique tout ce qu'il y a à mettre en boutique. Donc voilà, ça, hop, ça c'est ce que j'ai vendu là ces derniers jours. Donc il faut que je fasse les colis. Alors il y a des gens qui viendront récupérer tout ça directement pendant la vente le week-end prochain. Et d'autres à qui je dois envoyer des choses. Voilà, j'ai vendu tous ces Inktober là. Et ceux que je vous montrais tout à l'heure, c'est ceux qui sont dispo. Là-dedans, il y a une broche, des cartes postales. Donc j'ai décliné la fameuse peinture qui est partie chez Carré d'Artiste. Je l'ai déclinée en carnet. Donc voilà, ça c'est un colis, ça c'en est un autre, ça c'en est un autre. Et ça c'en est plein de différents. J'ai tout ça à faire. Voilà pour les nouvelles qui sont plutôt cool, c'est bien, ça bouge, pour une fin d'année ça fait plaisir, ça bouge beaucoup, enfin beaucoup, disons que je travaille beaucoup pour me faire pas mal de stock, on verra ce que ça donne. Et ben voilà, enfin du coup j'ai retrouvé un peu mon envie de peindre qui était un peu partie. Les petites princesses là ça me redonne plein d'idées et c'est cool, ça y est j'ai retrouvé le niac, c'est bien. Donc il y a des petits projets qui se profilent par-ci par-là, mais je vous en parlerai quand ce sera fait, ou enfin, en tout cas quand ce sera bien avancé. Et là j'ai une autre idée de peinture, je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous expliquer ce que je veux faire, et c'est prévu que je m'y colle cet après-midi, enfin que je commence du moins,
et que je termine ce week-end ou en tout cas début de semaine prochaine, mais ce que j'aimerais bien, ouais, c'est vraiment en avoir allez, deux, ce serait bien. Pour ma vente, ce serait pas mal. Allez, je vous montre ça. Donc l'idée, c'est dans ces cadres-là, qui sont un peu bizarres. Vous voyez, hop. Je voudrais faire des petites scènes en relief. Bon, en relief léger, hein. Il y a des gens qui font des trucs de malade en relief comme ça, avec plein de strates, plein de... Bon, là, j'ai pas le temps. Donc là, je vais faire des choses simples. Donc je vais, en fait, il y a trois faces au fond. Donc je vais... Il n'y aura pas d'effet de transparence sur ce cadre-là, on ne verra pas à travers, tout sera rempli. Donc je vais faire des fonds, et puis j'installerai mon sujet principal soit sur la première vitre, soit si j'arrive à le faire tenir, il sera en relief un petit peu, sera entre deux, quoi, entre le fond, enfin en second plan, quoi. Je vais essayer, je vais voir. Je vais essayer de faire ça avec une princesse, j'aimerais bien. Et encore plus dur, j'aimerais faire ça avec une pièce de maison. Donc avec du carrelage noir et blanc en bas, les murs... Enfin, comme les pièces de maison que je vous avais montrées, que je fais habituellement, mais là en relief, avec les meubles sur différents niveaux de perspective. Mais alors ça va me demander un petit moment. J'aimerais bien avoir deux grosses belles pièces comme ça, à présenter, et parce que sur mes expos je mets pas de grand format, ça sert à rien, ça me prend de la place pour rien, mais par contre avoir une belle pièce comme ça qui attire l'œil, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment bien. Je vais même mettre un peu d'éclairage dedans si je peux, enfin ouais, je visualise le truc. Maintenant, il faut que je m'y mette, donc je vais commencer cet après-midi, et puis vu que j'ai vachement bien avancé niveau stock, je continuerai la semaine prochaine, et si je fais pas de nouvelles choses à part ça, c'est pas grave. On dira qu'on est bon pour le week-end prochain. Bon, j'ai fait mes mesures. Pardon, vous êtes dans le soleil, vous voyez rien. Hop, voilà. Hop. Donc j'ai fait mes mesures pour le fond de mon cadre. Hop, qui est là. Donc, j'ai plus qu'à peindre. Allons-y.